C'est comment? Sipo Mango, Torres, Nguessan, Hermans RSK. C'est comment les gars? Déjà Ezekiel. Clembier, là c'est un joli nom. Hein? Ça me rappelle Clembier de Bena Bedadier. Moi, on a jamais fait le petit mondial de littéraire. Et quoi, quoi, ça demande. Moi, je suis littéraire. Mais un littéraire, tu as jamais lu même 10 livres depuis qu'il est né. Ah! On peut faire ça à Dama. Tu dis que tu es littéraire. Tu as eu bac, mais littéraire. Mais quand je mets lui-même 10 livres, alors ça là. Il a acheté ça. Il a mis les Franklin Namsi. Il a acheté ça là. Ça l'a acheté ça. Ça fait 3 ans. Il n'y a même pas encore lu sur la page 13. Ok, il y a combien de pages? Il y a combien de pages? Il y a 508 pages. Mais c'est même pour moi arriver à la page 13. Tellement que ils m'en foutent de lecture. Eh, lecture. Il y a un problème qui disait, si tu veux cacher un trésor à un Africain, cache-le dans un livre. Parce que les Africains refusent de lire. C'est si je vois blanc, les vélo, et puis ils lisent. Dans le métro, ils lisent. Mais nous, pourquoi on n'aime pas la lecture? Pourquoi on n'aime pas la lecture? Oh putain, c'est dans ça qu'il y a l'instruction. Mais on n'aime pas lire. On n'aime pas lire. Pourquoi? On ne sait pas.
On ne sait pas pourquoi on n'aime pas lire. C'est le propre de l'homme. L'homme noir. En temps normal, si on lisait là, tout le monde est intellectuel en Côte d'Ivoire. Mais on n'aime pas la lecture. On n'aime pas lire. Ça va Marocos ici. On n'aime pas la lecture. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Donc, bonjour, Ivoirien, Ivoirien. Voilà. Vous essayez maintenant de s'animer. Fait plus trop de vidéos comme avant. Avant, on était toujours en attaque parce que le leader Gbagbo était en prison. Mais comme l'a dit Simone, elle a dit, le président Laurent Gbagbo est au centre de notre revendication. Mais notre vision, c'est la Côte d'Ivoire. C'est clair et net. Elle comprend le français, elle est littéraire. Voilà. Le président Laurent Gbagbo est au centre de notre revendication. Notre vision, c'est la Côte d'Ivoire. Les gens ne comprennent pas français. Non, elle a insulté Gbagbo. Elle a insulté Gbagbo. Là, Gbagbo, la Côte d'Ivoire, tout nous autour de lui. Là. Sans Gbagbo, la Côte d'Ivoire ne vit pas. Attendez, elle a insulté Gbagbo. Parce qu'elle ne comprend pas français. Elle est littéraire. Comprendre, tenez qu'il est français. Comprendre. Peut-être qu'elle est plus forte que Gbagbo même. Gbagbo, elle est historien. Elle est littéraire. Littéraire. Tout le monde peut être historien. Histoire de quoi? Tu parles des histoires et tout, c'est historien. Mais elle a littérature. Elle écrit comment elle composé les 30 ans, tout ça, on est papier. Mais c'est ce qu'elle dit. Les gens ont plus ça. Non, elle a insulté Gbagbo. Bon, ça c'est. Bon, j'ai mis une publication aujourd'hui par rapport à l'arrestation d'Arlène Zaté. Et j'ai vu ses partisans, ses soutiens venir s'offusquer ici. On dit non, c'est pas normal. Que pourquoi Arlène Zaté a été arrêtée? Parce que c'est une citoyenne française, elle rentrait dans son pays. Donc c'est pas normal. Ils ont crié au loup. J'aimerais vous enseigner aujourd'hui là. Parce que, on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Pourtant, tu vas jamais voir une école où on enseigne la loi. On enseigne que le droit. Mais la loi là, ça c'est pas l'école. Mais pourtant, quand tu tombes sur le coup de la loi, on t'allume. Et on te dit, nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Mais il n'y a pas d'un lycée où on enseigne la loi. Mais quand il tombe sur le coup de la loi, bayay, on t'allume. Les gens pensent que sur Facebook, on fait tout et n'importe quoi. Parce que j'ai une petite caméra, il faut venir, il faut raconter n'importe quoi. Alors moi ici, on a créé Dossi Ganga. Fait vidéo, les petits là. Ils pensent que moi ici, son gawa, lui, m'a bobiné. Il insulte Ouattara. Moi, quand il insulte Ouattara aussi. Non, sinon, ici, là, je dis, champion, laisse ça. Nous, là, un jour, on ne connaît pas. Il est insulté président. Tu consignes quoi? Moi, quand il insulte Ouattara, par rapport à quoi? Même si Ouattara, il est dit, moi, quand il insulte par rapport à quoi? Ouattara, c'est vrai, mon papa. Lui, il insulte Ouattara. Il dit, ouais, t'es mouillé. Ça, c'est vous qui voyez. Nous, les gendarmes, on était gendarmes, on connaît la loi. T'es insulté président. Mais si, pour plein contre toi, mon cher, tu tombes sur le coup de la loi. On t'allume, au cap. Dis-moi d'insulter. Dis-moi, il ne peut pas insulter Ouattara. Montrez-moi une vidéo ici où il a insulté Ouattara. Ça ne va pas exister. Le seul gars, il reconnaît qu'il a insulté sa mère Bakayoko. Voilà. Et ça, c'est venu comme ça. Ça, c'est une salle de buzz. Voilà. D'où l'expression de mettre contre mettre dessus. Voilà. C'est moi qui ai proposé ça sur la toile. Voilà. Mais montrez une vidéo ici où il a insulté quelqu'un. Un président. Voilà. Le seul qui a insulté, c'est Apollo. Il a dit ça, Melcon. Pourquoi? Parce qu'on est militaire. Entre nous, il n'y a pas un jus. Apollo, c'est ça. Melcon, il n'y a pas un jus. Pas un jus. On est militaire. Chez nous, c'est pas un jus. Mais vous dire, il y a une grande blague comme ça. Entrer dans cette entraille. L'insulter. Au nom de quoi? Au nom d'un fanatisme aigu. Voilà, moi, ici. D'après Nadi Bamba, Simon Gbagbo. Bien vrai qu'il y a un penchant pour Simon Gbagbo. Mais est-ce que vous avez vu mon Nadi Bamba? Il insulte pas, parce que si tu prétends, tu dis que Gbagbo est ton père. Tu insultes sa femme pourquoi? Mais c'est un manque de respect. Tu prétends que Gbagbo est ton père et tu insultes sa femme, même si tu ne l'aimes pas. Mais tu ne l'insultes pas. Moi, il y a un penchant pour Simone, mais jamais il a tenu des langages déplacés à l'endroit de Nani Bamba. Jamais de la vie. Parce que autant que Simone est la femme de Gbagbo, autant aussi que Nani Bamba est la femme de Gbagbo. Donc, respect mutuel. C'est de ça qu'il est question. Torres, on ne connaît pas le motif, mais on s'imagine un motif. Voilà, c'est un jus public, c'est tout. Sinon, il faut qu'on arrête. Elle insultait la dame là. Donc, c'est pour ça qu'elle a été arrêtée. Nous, on commente ce que nous, on voit.
Même si je veux prendre des motifs, nous en fait, on connaît déjà le motif. Voilà. Parce qu'elle a son avocat là, Maître Djadjé, lui c'est un djaïri, hein. lui il s'amuse pas. Lui ça bouche partout, lui ça, pour un petit lui il fait quelque chose. Là sans doute, à son insu, elles sont pas dans Bezo. Ils ont déposé plainte et puis ils sont cachés, ils attendaient, on dit toi, lui tu vas en Côte d'Ivoire, ah c'est Guantanamo. Elle est en Côte d'Ivoire, elle a tourné un peu, tourné un peu. Bam! Ils l'ont pris. Ils l'ont mis en prison. Non, c'est que c'est pour un jeu public et diffamation. Parce qu'elle a insulté. Elle a insulté Simon Gbagbo. Il a mis mon poste. J'ai vu des commentaires. On dit non, c'est pas normal. Ils ont commenté mon poste. Ok, pourquoi moi il parle d'affaires de. Il veut situer étrangers et ivoiriens. Mais ce qu'elle dit, c'est la vérité. C'est ton français là. Tu as décidé d'être français. Voilà. Occupe-toi de la politique de France. Tu es ton français, tu es ton américain, occupez-vous de votre politique. Parlez de votre Joe Biden, parlez de votre Donald Trump. Laissez-nous dans notre politique. Ça n'exclut pas que vous donniez votre opinion, c'est normal. Parce que nous, souvent ici en France, on peut donner notre opinion. Mais opinion ne veut pas dire, tu as fait la politique de notre pays. C'est ça qui est la question. Donc si vous êtes votre français, vous êtes votre américain là, parlez de votre pays. Il y a un gars qui m'a dit que, en commentaire que Alès Zaté, elle est ivoirienne. Je lui ai dit, mais tu es bête dans ta tête. On parle de ivoirienne lorsque tu as les deux nationalités. Voilà. Française d'origine ivoirienne ne veut pas dire que tu es ivoirienne. Voilà. Mais tu as une seule nationalité. Tu es français ou tu es française. Donc tu parles de ton pays. Ça n'exclut pas que vous donnez votre avis. Vous avez déjà vu ici. Un Ivoirien, parce qu'ici en France, les étrangers ont le droit de vote. Voilà. Donc ils peuvent parler dans la politique de France. Mais en Côte d'Ivoire, là, est-ce que l'étranger a le droit de vote? C'est ça qui est la question. Donc avant de venir faire votre vidéo là, voilà. Connaissez au moins le droit. Voilà. Connaissez au moins le droit. Parce qu'en France ici là, les gens m'ont dit, mais pourquoi vous êtes en train de parler de la politique? Et ici on dit, étranger a le droit de vote. Dans le droit de vote, tu peux parler politique. Oui. Si tu as le droit de vote, tu peux parler politique. Mais est-ce qu'en Côte d'Ivoire, l'étranger a le droit de vote? C'est de ça qu'il est question. On peut te concéder de parler en tant qu'étranger dans l'ordre politique. Alors, si tu as deux nationalités, c'est-à-dire moi, je suis français, si vous voulez, je peux être capable dedans. Voilà. Parce que quand on me met en prison, la France ne peut pas intervenir parce qu'il y a deux nationalités. C'est de ça qu'il est question. Quand me mettre en prison là-bas, là, la France ne peut pas intervenir parce qu'il y a des nationalités. On dit, ah bon, c'est quel celui-là, il est ivoirien aussi, les trucs. Nous, comme nous sommes sur notre sol là, on peut les pagailles. Voilà, c'est ça qui est la question. Au nom de la politique, on vient, on insulte les gens, on insulte, sous prétexte qu'on fait la politique, rentrer dans les jupons. Mais j'espère que ça a servi de leçon pour ceux qui insultent. Parce que nous-mêmes, on a été prêts sur les vidéos là, moi, je n'ai jamais insulté. Le con lui insultait, moi j'ai pas insulté. Il m'a dit faut insulter. Il dit, moi je peux pas insulter quelqu'un. Tata me manipule, moi me manipule. Moi j'ai insulté quelqu'un. Ouattara, il a insulté Bouga. Il dit Ouattara, il l'aime pas. Il a insulté Bouga. Par rapport à quoi? Ça c'est la politique ça. Insulter quelqu'un. Rentrer dans ses entrailles. Être Boukina, dit Boukina, mais c'est pas une injure. Voilà. Mais rentrer dans ses entrailles. Il insulte par rapport à quoi? Quelqu'un qui peut être ton papa, il insulte par rapport à quoi? Au nom de quoi? Au nom de la politique. Parce qu'il recherche quoi? Pour dire qu'il s'est guéri. Guérir là, non, je ne cherche pas à éduquer de ça. Parce que où on dit, ouais, guérir là, ça amène. J'ai des foules. Moi, j'ai des foules là. Ça ne me trafique pas. Vous dites, il y a Boeing qui est là, 443 personnes. Puis elle dit, ouais, c'est moi, descendre mes pieds, faire n'importe quoi. Et puis après, maintenant, quand ça chauffe ici, moi, seulement, ici, après, mon propre sort. Moi, ça ne me prend pas ça là. On a quand même dit que tu es pur, ça, c'est eux qui le voient, mon cher. Les vrais garçons, on a vu en Côte d'Ivoire. Quand on allait combattre, il n'y avait pas quelqu'un qui était là-bas. Voilà. Non, c'est de ça qu'il est question. Vous venez faire vidéo, vous ne connaissez pas la loi, vous venez, vous insultez les gens. Et puis, il y a certaines personnes, je vous dis ça, on ne vous le sait pas. Il y a certaines personnes, dans faire des vidéos, il peut appeler son ami, l'autre le prend, paga, il enregistre. Et puis, il dit, ouais, il a archivé. Et puis, merci Internet. Mais vous s'amusez. Moi, je causais beaucoup de personnes. On dit, mais tu causais, il faut te méfier, il ne faut pas t'enregistrer.
Il dit, mais c'est lui qui ne connaît pas la loi. Voilà. Parce que là, moi, si j'appelle quelqu'un qui est en train de m'enregistrer devant la loi, là, je devais savoir, être conscient, donner mon aval, que le gars m'enregistre. Là, quand c'est gâté entre nous, il peut mettre sur Facebook. C'est légal. Mais dans mon insu, je parle avec toi au téléphone. Soit je te file les informations. Et puis toi, tu m'enregistres. Et puis tu me dis, non, dessin animé, il t'a archivé. Et puis tu cours derrière moi, tu t'as mis sur Facebook. Jean, tu m'as vendu. Mais au contraire, tu te mis le doigt dans l'œil. Parce que quand il y a porté plainte contre toi, tu vas faire prison. Parce que devant le juge, moi, te pose une question. Mais le dessin animé que tu as archivé là, tu l'as enregistré puis tu as publié là. Est-ce que le dessin animé était conscient que tu l'as enregistré? Tu as dit non, il n'était pas conscient. Allez, bayaï, prison. Parce que même ici en France, opérateur Free, opérateur SFR, opérateur Bouygues, quand tu les appelles là, monsieur, cette conversation est susceptible d'être enregistrée. Vous voulez qu'on enregistre ou pas? On te pose question. Si tu veux qu'on enregistre, on dit tape la touche 1. Si tu ne veux pas, ne tape rien ou bien tu tapes 2. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Il y a un gars qui dit Will et Zeno, quel est le but du sujet? Ouais, le titre qu'il a, il est venu libérer. T'as moi, t'as posé des questions. Quand tu viens en retard en classe, tu poses des questions. C'est comment vous êtes? Le coup a commencé, toi, tu viens en retard, tu poses des questions. Tu voulais savoir le but du sujet, il fallait être à l'heure. Mais quel est le but du sujet? Maudit. Il me pose des questions, quoi. Fallait être assidu. Donc c'est un peu ça. Donc vous qui venez de rentrer dans le cyberactivisme là, voilà. C'est nous qui avons créé à faire des vidéos là. Et c'est nous qui avons mis les règles. On sait comment ça se passe. Mais vous, par excès de zèle, pour avoir vu. Non, j'ai son enregistrement. Je vais publier. Tu publies, tu vas vers prison. Voilà. Au moins c'est notre vocal. Même notre vocal là. C'est susceptible d'être confidentiel. Si tu publies que le gars porte plainte aussi, tu peux avoir problème. Parce que c'est une note vocale confidentielle que tu as exposée. Tu l'as exposée, bagaille. Il y a aussi prison. Donc si Facebook, on ne fait pas tout et n'importe quoi. Donc si nous, on ne fait pas tout, on regarde. C'est pas parce qu'on est bête. On est des gendarmes. On connaît la loi. Voilà. Et puis moi-même la sentence est là double. Parce que je connais la loi et puis il fait ça. Donc moi, la sentence est double pour moi. Mais à cause des vues, buzz sur Facebook, on vit, on insulte le président. On insulte, on l'a donné un trahi. On dit qu'ils ont fait ça sans preuve. Voilà ça. Injure publique, diffamation. On vous arrête maintenant. On vous arrête maintenant. On dit qu'où est la française? Ouais, c'est la française là. Qui devait produire de quoi du bas. Hein? C'est français, il faut parler de. Ou France ici. Voilà, moi, jamais il n'y a pas de question de France. Jamais, mais ça ne m'intéresse même pas même. Mais tu n'es pas de les pays, tu n'as pas de la politique. Tu as dit qui? Jamais. Mais vous voulez Français, vous voulez pas de notre pays. La vie, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Donc, si Facebook, là, on ne fait pas tout et n'importe quoi. Ça, c'est un message fort. Vous dites, c'est des insultes, le président, là. Dès qu'il n'y a pas de plainte, il y a prison au bout. Voilà, à les athées. Voilà. Ils vont rafraîchir sa mémoire. Et puis, il y a vidéo matérielle, preuve matérielle pour me reçue. On va dire quoi? Que tu es sur le fil de la colère. Non, mais ma chérie, la première question. On est en nationalité. Non, je suis française. Vous avez la double? Non, il n'y a pas de double, je suis française. Allez, mais en vertu de quoi vous parlez dans la politique de la Côte d'Ivoire? En vertu de quoi? Vous avez décidé d'être française, restez dans votre France. Au moins, si vous aviez la double nationalité, on pourrait comprendre. Circonstance atténuante, on peut dire c'est normal, c'est ton droit. Voilà. Mais tu es française. Tu es française, tu n'es pas de notre politique. Et puis, tu insultes notre président. Comme si ouais, un migrant ici pourrait insulter Macron, ou un migrant pourrait insulter Marine Le Pen. Nous, on ne les voit pas, mon cher. Nous, ce que nous voyons, c'est si peu notre épicé, notre papou, c'est ça, mon cher. Les injures, on ne les calcule pas, mais on fait qu'ils n'existent pas. Mais vous êtes ici, là, vous êtes de votre France, là, vous êtes vos regards en Côte d'Ivoire.
comprends pas. Moi, je ne comprends pas sincèrement. Ça n'exclut pas que vous donnez votre avis. Vous pouvez donner votre avis, ça c'est normal. Vous pouvez donner votre avis sur la politique de la Côte d'Ivoire, ça c'est normal ça. Mais venez vous immiscer. L'ingérence là, c'est ce qu'on ne veut pas. Voilà. C'est ce qu'on ne veut pas. Donc faites attention que vous venez faire vidéo sur Facebook. Que ce soit parti adverse, parti opposé. Quand vous insultez là, il faut capturer l'écran. Il faut capturer votre vidéo. Et après, paya, apportez plein contre vous. Ils vont dire non, qu'ils sont contre. Non, mais tu es insulté. Injure là, ça amène l'homme en prison. On dit injure publique. Mais diffamation. Tu parles de ce que tu ne sais pas. Tu as les preuves? Est-ce que vous avez les preuves? Tu n'as pas les preuves. Donc là, on a sur Facebook là. Ça commence pour mon goût. On est sur Facebook là. Voilà. Venez chez moi. Je vais vous montrer comment ça se passe. Vous voyez, c'est comme ça a commencé. Moi-même, il y a beaucoup de vidéos, moi, je ne les connais même plus. C'est les moments qui font une vidéo maintenant. Les moments, nous, on va faire des vidéos. On dit, ah, il y a 4 vidéos en Côte d'Ivoire. Quand on a commencé, il y a 4 vidéos. Il y avait Yoros Tétoua, États-Unis. Il y avait Papi Power, Londres. Il y avait le député 13-13, l'apôtre de Jésus. Voilà. Maintenant, moi, j'étais le communautaire. Moi, j'étais en bas. Et puis, il y a Observateur et Ben. C'est les 4 académies, la toile. Il y a après un peu de Kofi Noir. On était pas beaucoup, on était au moins 6 ou 7. Et puis, on a animé la toile. Mais maintenant, on sait même plus où cette pléthorie de vidéos me sont quittées. Et c'est les mamans. Elles s'insultent. On met quand même des gens sur Facebook, on publie les dates de naissance. Maintenant, c'est n'importe quoi. On dit, il y a cherché de la vie encore du bas. Mais parlez de ça. Mais si vous venez vous insulter, mettre la honte sur les Ivoiriens. C'est à ça qu'on a assis sur Facebook ces derniers temps-là, Côte d'Ivoire. Et eux aussi, ils disent non, ils ont enfants et éduqués. Mais tu as enfants et éduqués, et il y a comment tu te comportes? On me dira que moi j'insulte. Moi, il dit, moi, il y a un prétexte. Je peux légitimer mes injures. Parce que je suis militaire. C'est vous-même qui avez dit que militaire, c'est BPC. Ils ne sont pas trop intelligents. Non, c'est sur cette barrière qu'il me met pour justifier l'injure. Il dit, ici ignorant, ici militaire. Nous, chez nous, on insulte. On insulte Mercon. Apollo, c'est qu'on insulte Mercon. Moi, je peux dire Apollo, ta Mercon. Et puis, il y a rien de. Il sait que c'est eux qui m'ont appris à insulter. Nous, avant, on n'insultait pas. Moi, enfant, était petit. Il était poli pour ça. Il salue tout le quartier. Ça, on dit que c'est où il faut insulter ici. Et bien, je suis ma mère compte devant moi. Pour que ça me fasse mal. Après, au fil du temps, ça passait. Donc, après le mon insultant, il ne va pas dire quelque chose. Vous voyez, c'est eux qui m'ont inculqué cette éducation. Mais vous n'avez pas appris vos enfants à insulter les gens. Et c'est vous qui insultez les gens sur Facebook. Les nouveaux vidéos man. Et puis, c'est les mamans. Elles ont 40 ans, 45 ans. Elles font des bons insultes. Elles viennent insulter les gens. Et quand je vois les gens, on dit, ah, tiens, 15, tiens, 20, comme si, ouais, d'avoir fait un jus là, l'autre était plus fort. Je vois les gens, on dit, ouais, ta bouche est sale, non, tu insultes. Il n'y a pas quelqu'un qui insulte quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui insulte quelqu'un. Personne n'insulte quelqu'un. Voilà. Mais c'est parce qu'on est civilisé qu'on n'insulte pas. Parce que moi, je n'ai pas venu insulter quelqu'un. Et puis après, il est venu marcher, lui. Moi, il ne fait pas ça. Voilà. Il ne fait pas ça. Moi, je ne suis pas. Parce que moi, là, quand il a insulté, c'est qu'il n'y a plus de revenir en arrière. Parce que vous ne regrettez pas ma tête. Ne demande pas excuse. Voilà. Nous, chez nous, militaires, pas pardon. Verser le prix ramassé. Donc, là, quand il y a un petit discours, Amiral a insulté Gbagbo, tant. Il dit, moi, je ne vais jamais insulter Soro. Parce que le monsieur affiché à lui, il n'y a plus photo à lui. Parce que Amiral a insulté Gbagbo, il a insulté Soro. Mais attends, il cherche quoi au juste. Pour après, regardez ma tête, il était sur l'effet de la colère. Comme il a insulté Gbagbo là, donc, là, quand il vous insulte. C'est être Dieu ça. Donc moi il fait pas ça. Moi des principes il fait pas ça. Voilà. On va pas plus à gratter ma tête. Gratte pas ma tête. Moi tout ce que il dit, je pense ça. Il n'y a pas effet de dire non, c'est le fil de la couleur. Non, ça c'est l'acheter ça. Pour dire non, il teste le fil de la couleur. Non, il a pensé ça. Un jour qu'il dit, il a pensé ça. Il n'y a pas effet de la couleur ici. On dit, tout ce qui s'énonce, se conçoit clairement.
Et les mots pour le dire arrivent aisément. C'était conçu dans ma tête. Pour dire que j'étais le fil de la couleur. Ah, donc, quand j'ai le fil de la couleur, tu deviens fou. Quoi. Donc, de grâce, laissez-nous leur politique ici. Vous qui êtes français, guinéen, laissez-nous leur politique ici. Parce qu'il y a des belles lois maintenant en Côte d'Ivoire. Moi, j'étais étonné que un mec qui est en prison pour injure. En Côte d'Ivoire, on ne connaît pas. Ça, c'est l'émergence. Quelqu'un est insulté, elle était en français, elle insulté, elle avait en Côte d'Ivoire, on la met en prison. Les gens disent non, que c'est pas normal qu'elle nous soutenait française, elle a empêché de venir dans son pays. Elle a empêché. Elle doit payer des citoyens français, elle a insulté, tu viens insulter sur un gabo. Elle a l'insulté. Et puis en plus, n'est pas de nationalité, tu es française, d'origine ivoirienne. N'est même pas Ivaro ou Ivarienne, tu es française. Tu te mets dans notre politique. Tu ne donnes même pas ton avis, hein. Mais tu insultes. Tu rentres dans les entrailles. Alors moi ici, elle est penchée pour Simone Gbagbo parce que c'est la première femme. Mais jamais je n'ai dit de l'insanité à Nadi Bamba. Pas que j'ai peur, mais c'est le respect. Tu as Simone Gbagbo sur ton papa, tu n'insultes pas Nadi Bamba. Claire. Tu dis que tu aimes ton papa, mais tu insultes ta femme. Si vous voulez que tu ne l'aimes pas. Et c'est ça, c'est réfléchi ça. C'est pas réfléchi. C'est mauvais, il a vu fait qu'elle fait vidéo et il a dit ouais, mais il bombarde, oh, c'est comme ça, jamais. Moi, c'est ce qu'elle dit, moi, c'est pas con. C'est mon nom, ressemble à quelqu'un qui est con, dessin animé, mais c'est pas con, je suis le plus intelligent, le commanditaire, le plus lucide. C'est moi qui ne vais pas raconter n'importe quoi. Même si ma voix est un peu kilométrique, c'est pas un handicap pour moi parce que je me fais entendre. Mais les gens, depuis qu'il y a Facebook caméra, on pense qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Mais je vous ai dit, nul n'est censé ignorer la loi. Pourtant, la loi n'est pas enseignée dans les écoles. Mais quand tu tombes sur le coup de la loi, on te met un bagaille. Tu as dit, non, je ne savais pas. La première parole qu'on te dit, les autorités, on dit, mais mon frère, nul n'est censé ignorer la loi. C'est ça. Pourtant, on n'enseigne pas la loi. On n'enseigne pas ça dans un lycée. C'est le droit d'enseigne, mais la loi n'enseigne pas ça. Mais quand tu tombes sur le coup de la loi, on met un bagaille. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Dans vos pays, sinon on n'insulte pas, vous payez pas, nous des bêtes, quoi. On ne s'est pas insulté. On s'est insulté. Mais on sait qu'on insulte à quelque chose qui vient derrière. Donc on dit, ouais, ton ami insulte, toi, tu es un peu, tu insultes pas Ouattara. Il dit, là, c'est vous qui voyez. Moi, je suis Ouattara. Je suis Ouattara. Pour faire plaisir, quoi. Pour dire que moi, c'est un disque, quoi. Pour monter ici un 10. Moi, pour monter ici un 10 devant vous là, venez casser vos mâchoires. Là, il montre ici 10 devant vous. Mais moi, quand j'insulte Ouattara pour faire plaisir, puis on dit, ouais, 10, ah, il a quel, il peut insulter moi, quoi. Foule de gars, même en problème, quoi. Et puis après, c'est dans mon propre sort. Il a insulté quelqu'un. Montrez une vidéo ici. Ou dessin animé insulté quelqu'un. Même Soro, même quand il le combattait, montrez même où il insulte. Ça n'existe pas. Parce qu'on sait ce qu'on dit, on est intelligent, on n'insulte pas les gars. Nous, en raison. Mais on sait que tout ce qu'on fait, c'est archiver. Voilà. Et vous mettez au défi ici. Venez montrer. Vidéo où m'a insulté. Ouattara. Moi, il y a plusieurs personnes qui ont insulté là. Il y a la vidéo qui est la même. C'est Ahmed Bakayoko. Et vous savez, vidéo, c'est moi, il peut tout. Mais vous ne pouvez pas trouver ça. C'est moi, il a insulté. Il dit, Ahmed Bakayoko, ta mère, quand tu mets dessus. Voilà. Et moi, il dit ça. C'est la seule personne qui a insulté dans le fait des pouvoirs politiques là. A parlé aussi, il a insulté aussi. Mais lui, c'est pas un juge. Payer les militaires, chez nous, à mettre qu'on ne s'existe pas. Mais t'as arrêté, Simone Gbagbo. On était dans ses entrailles ici. Il y a d'autres même qui sont en Mauritanie, on ne sait pas. Ce gars, mais il m'imagine même plus quoi. Insulté. Mais moi, ce qui me désole, eux se proclament être militants du FPI. Des militants des premières heures du FPI. Et des militants insultent le haut dignitaire du FPI. Et certains hauts dignitaires ne sont pas capables de les réprimander. Je ne sais pas quoi comprendre ça quoi. Alors j'étais ici insulté Simone Gbagbo aussi. On a même vu le colonel Katina la réprimander. Le Odette Lorignon l'a réprimander. Je n'ai pas compris ça. Expliquez-moi. Je n'arrive pas à comprendre ça quoi. Vous devez être camarades de lutte. Hauts dignitaires du FPI, cofondateurs du FPI, militants rabat-joie des FPI. On ne sait pas si on capte même des choses. Parce qu'ils confondent. N'est appelé militant
c'est lui qui détient une carte de militant de son parti, qui s'acquitte de ses cotisations. On dit, ouais, tu es militant. Puis tu as la carte de ton parti. Et puis tu t'acquittes tes cotisations. Mais tous ceux qui disent, non, je suis militant, n'ont même pas une petite carte de FPI. Pourtant, ils sont militants. Ne confondez pas militant et sympathisant. C'est différent. Mais vous ne pensez pas, vous venez, vous faites tout et n'importe quoi sur Facebook. Non, je suis militant du FPI. Tu n'as même pas quatre. Tu n'as même pas quatre des militantistes. Le seul militant du FPI qui me connaît sur la porte, c'est Dolma Premier. Il m'a montré sa carte des FPI qui date de 2000. Pas 90, hein, des 2000. Sa carte des FPI. Lui, c'est un vrai militant. Même s'il ne fait pas cotisation, mais c'est lui a attesté qu'il est militant. Ah. Mais vous qui venez dire non, on est FPI, on est 30 ans. Montrez vos cartes des militants en bas. Montrez vos cartes des militants. Essayez de vous cotiser. Même si le parti a l'argent. Même si le parti a l'argent. Mais on dit un militant doit s'acquitter de ses cotisations. C'est comme la dîme. Tu dois cotiser. Mais vous-même, vous ne cotisez pas. Vous n'apportez rien au parti. Et vous dites, vous êtes militant. Militant de quoi? Militant de quoi? Et des pseudo-militants insultent les dignitaires du FPI. Et certains dignitaires du FPI qui ont des affinités avec ces militants n'ont pas la jugeote de les réprimander. Je n'ai jamais compris ça. C'est même Babou a été maintes fois insulté ici par les athées. Le Kone Katina, les temps en temps, ils n'ont jamais appelé, rappelé à les athées à l'ordre. Pourtant, on dit les militants du FPI. Moi, je n'ai pas compris ça, en fait. Je ne comprends pas ça, au juste. Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas ça. Voilà. Moi, je dis, j'ai jamais été FPI. C'est mes parents qui étaient FPI. Voilà. J'ai jamais été FPI. Premier vote, j'ai voté Gbagbo en 2000. Voilà. Parce que mes parents ont dit, allez voter. On a voté Gbagbo. Et puis on a voté. En 2010 même, pour montrer que je ne fais rien politique, je n'ai jamais eu cadenté de Côte d'Ivoire. Ma première qualité de Côte d'Ivoire que j'ai eue, c'est ma qualité pour passer le bac. La qualité verte. Voilà. À part ça, quand Gbagbo a pris le pouvoir, on dit, ouais, identification des qualités. Ils sont venus en faire. Ils m'ont identifié. Qualité n'est jamais venu. Et puis, ça te l'a jamais mérité. En 2002. En 2005, on dit identification. Il dit, il ne fait rien. C'est là que Kalanté Oran est sorti. Il dit, moi, il ne peut pas faire Kalanté, c'est fini. Donc, moi, il y a une seule fois Kalanté, Kalanté verte. Après ça, il n'y a plus fait Kalanté. Même quand on commande en 2000, on dit, viens, on fait Kalanté pour toi gratuitement. Viens, viens t'enrôler à l'école. Il dit, hé, moi, je ne fais pas Kalanté. Mais c'est Kalanté, on dit, il est voté. Il vote qui? Moi, c'est gendarme ici pour la République. Il a voté qui? Il vote personne. Après, ça va à l'encontre de l'éthique de la gendarmerie. On dit assurer la protection des biens et des personnes. Par ricochet, vous êtes républicain. On est pour la République. On n'est pas pour un homme politique. Mais comme en Côte d'Ivoire, on combat, on comprend le travers. Les gens sont venus nous attaquer ici, des rebelles. Des assassins nous ont attaqués. Voilà. On a défendu l'institution de l'État en tant que républicain. On nous a étiqueté. On dit, ouais, j'adore pour Gbagbo. Voilà, Zasso, même, con même, lui va me regarder. Et puis, il m'appelle milicien. C'est-à-dire, lui, il y a un gendarme assermenté. Pas un gendarme fallacieux. Pas les fallacieux. Je lui ai montré les calentiers de gendarmerie. Moi, je lui ai montré ma calentier de gendarmerie. Et puis, il a montré mon stage commando. Zasso va me regarder pour dire, moi, c'est milicien. Mais c'est normal. Il ne connaît pas la diffusion d'une milice. Voilà. On a tous les enseignés. Une milice est une police parallèle à la solde de un autrui. Zasso, vieux con là, retiens ça. Ton point d'André Kaliba, ça retient. Une milice là, c'est une police parallèle à la solde de autrui. Voilà. Ça, c'est la définition de la milice. Police parallèle. Gendarmerie là, c'est un corps parallèle. Tu vas me regarder, tu vas m'appeler milice. Tu vas me dire non, gendarme de Gbagbo. Comme si Gbagbo l'a créé gendarmerie. Hmm?
quand il regardait, quand il m'appelait le gendarme de Bagbo, comme si Bagbo l'a créé gendarmerie. C'est-à-dire que vous êtes sur Facebook, vous ne connaissez rien, vous êtes con, vous êtes idiot, vous êtes bête, parce que vous êtes portable pour venir faire vidéo, il faut venir faire vidéo, faire tout et n'importe quoi. Moi, je ne fais pas tout et n'importe quoi. Même si mon nom fait rire, mais c'est une philosophie. Je ne fais pas tout et n'importe quoi. Je sais ce que j'ai fait et je sais ce que j'ai dit. Voilà. Donc, là, c'est un message fort pour ceux qui insultent là. Vous insultez nos présidents. Voilà. Il y a un mec qui insulte nos présidents ici. Il a montré, il a montré. Voilà. Des gens. Mais si je soutiens que tu insultes papa de quelqu'un et qu'un jour t'insulte, il ne faut pas dire non qu'il est insulté. Voilà. Voilà. Les gens insultés, Ouattara. Mais pour de l'argent, pour plaire aux gens, j'ai les foules. Ils insultent encore. Mais voilà ici. Mais voilà. Voilà, ceux-là. Écoutez, hein. Pourtant, ce type-là voulait être député. Mais quel exemple vous donnez? Voilà. Ce que la Côte d'Ivoire nous sait. Des gens qui veulent être députés, ils s'adonnent au pugilat. Insulter tout un parti politique. Insulter un leader d'opinion. Pour faire plaisir à qui? Maintenant, en te mettant en prison là, les gens, ils vont se moquer. On dit non, c'est son habitude. Et ça, c'est un signal fort. Allez, Zaté. Et je sais que Bagbo a porté plainte aussi pour un juge public. Voilà. Nous, on n'insulte pas. On n'a qu'à peureux. On ne peut pas insulter. Bon, ce n'est pas une question de peureux, mais on raisonne quoi? Un juge pour quoi? Pour dire que, ouais, vous devez me certifier, non, ici, 10. Non, 10, c'est c'est pas un cœur froid. C'est un 10, c'est un 10. C'est moi, vous devez plus dans le feu, quoi. Non, mais moi, c'est pas Gawa, les gars. Sinon, c'est pour ça, on est trop hier. Là, si vous voulez confirmer qu'il soit 10, là, viens devant moi, et puis on y casse la mâchoire, là, tu as confirmé qu'il soit 10. Là, moi, quand j'ai insulté quelqu'un, quoi, pour te faire plaisir, quoi. Pour dire que moi, ici, 10. 10 de quoi? 10, mais tu n'es même pas récompensé. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui est un député. Il était étonné. J'étais sur le direct. Et la vidéo était effacée. Alors que moi, j'ai un algomérite. Voilà. Tu peux faire vidéo. Moi, c'est pas là. Mais ça enregistre. Et quand il vient, il trie les parties qui me plaisent et puis il prend. Donc c'est comme ça qu'il est chopé. Lui, il est étonné pour dire hey! Il dit bon, voilà, mais il est fort. Et je faisais vidéo. Et puis, sa femme passait. Et puis il y a un gars qui a dit, monte ta femme en la voix. Il dit, hey, arrêtez ça. Il dit, le voleur de portable est là. Il a tout dit le jour là. Il dit, le voleur de portable est là. Il n'a que ça à faire. Hein. Faire la capture. Il n'a que ça à faire. Mais c'est ça. C'est mon travail. Dans cette vidéo là, quand la fille de fait, il est passé ça. Ok, moi, je teste le direct. Voilà. Il teste le direct derrière un autre fils. Mais c'est bien, mon vrai fils, il va me repérer. Donc, moi, je suis venu en mode fuitif, il pèse là maintenant. Il dit comme ça, il dit comme ça. Il dit comme ça. Dès qu'il a commencé à me dire, et puis, il a laissé la partie. Lui, il est étonné, mais il dit, mais ouais, il sait que c'est le gars qui a fait ça. C'est comme ça. C'est comme le travail. On travaille intelligence. On a les preuves matérielles, les jus, les bagots. Ça, c'est une preuve matérielle. Voilà. Donc, ça, il faut dire plein de preuves de ça. Preuve même, t'as écrit. T'es insulté un parti politique, t'es insulté Gbagbo. Prouve de ça. Voilà. Donc on travaille intelligemment. C'est comme ça. On ne fait pas tout n'importe quoi sur Facebook. On ne fait pas tout n'importe quoi. Là, aujourd'hui, là, je vous dis, vous qui faites vidéo là, puis vos amis vous appellent, et puis vous appuyez. Attends, il a enregistré. Il vient enregistrer. Et puis il parle, il l'enregistre.
On disait, man, tu as avalé ça. Tu ne peux pas publier ça. Mais tu as montré ça à ta famille. Tu écoutes ça en vous là-bas. Tu ne peux pas publier. Alors, lui, quand on a dit, man, tu as publié ça. Publie. Tu ne peux pas publier. Parce que tu devais me demander mon avis pour voir, pour valider que tu devais m'enregistrer. Mais essayez de demander mon avis. Tu ne vas pas demander mon avis. Donc, la loi te condamne pour ça. Parce que même la loi ici, là, quand tu appelles Free Mobile, là, on dit, monsieur, vous voulez qu'on vous enregistre? Si tu es d'accord, toi, appuyez 1. Puis tu appuies 1, puis on enregistre la conversation. Voilà. Donc, moi, il t'appelle, tu m'enregistres. Genre, il dit, non, j'ai son archive, j'ai son archive. Tu as publié ses pistes. Publie. Il porte plein de la table, là. Puis devant les juridictions compétentes, on dit, mais monsieur, est-ce que monsieur Dessin Animé, alias Sissi Malik, était conscient que vous l'enregistriez? Non, c'est-à-dire il archivait. Il dit, mais vous êtes votre ordinateur pour archiver là, ou vous êtes archiviste? Bang! T'avais dédommagé. C'est ça qui est la question. Donc on a créé Facebook, la vidéo là, on connaît les lois. Mais quand vous aimez dans, vous aimez buzz là, vous venez faire tout et n'importe quoi. D'appeler les gens, vous l'enregistrez, boum, mettez sur Facebook. D'appeler les gens, vous l'enregistrez. Nous qu'on met là, on sait ce qu'on compte. Voilà. Tonton des États-Unis là, il a fait un enregistrement puis il a mis sur Facebook. Voilà. Lui, on a vu dans le temps, il dit, ah non, tu m'as réalisé, lui est enregistré. Voilà. Ça suffit déjà, lui, mais il est conscient déjà. Il dit, tu m'as réalisé, lui est enregistré, il est enregistré. Oui, il dit, ah non, tu m'as réalisé, lui est enregistré. Moi, mais il me dédomme, il dit, lui est enregistré, il est enregistré. Il dit, ah ok, bon, on continue. C'est à quelque chose, il dit, mais autorité. Lui, mais il savait qu'il a enregistré, il n'a pas été coupé. Au moins, c'est ce soir, on pourrait comprendre. Mais lui, mais il était consentant, non, il enregistre. Voilà, c'est ça, là, c'est l'intelligence qui parle. Voilà. D'où le DOC 2. D'où cette expression, le DOC 2. C'est ça qui est la question. Donc nous, là, on vient ici, on sait ce qu'on fait. On ne fait pas tout n'importe quoi pour venir insulter les gens à tort et à travers. Nous, on n'insulte pas les gens. Et vous, mon défi, envoyez vidéo ou m'insulter quelqu'un. Moi, il ne fait pas vidéo. Moi, mais s'il faut d'en mettre vidéo sur YouTube. Allez, si vous avez le temps de ça, allez fouiller pour voir, enlever une partie où il s'anime à insulter. Même si vous envoyez, il va justifier ça. C'est non à tout. Quand tu connais le droit, c'est comme ça. Tu peux justifier ça. Je sais combien d'avocats. Avocat en parole d'avocat, l'homme a tué, puis le défend, puis le blanchit. C'est vraiment monsieur. Je dis comme un avocat. Avocat, l'homme a tué, a tué les preuves matérielles. Il va le blanchir. Il dit non, mon client, lorsqu'il commet ses crimes, n'est pas toutes ses facultés par ricocher l'article 1, 150, alinéa 2 du droit stipule que quand quelqu'un n'est pas comme ça, c'est comme ça. Avocat, ils sont forts. Hein. Respecte l'avocat. Non, cela elle en paix. Il y a beaucoup de vidéos. Je ne peux pas prouver qu'il était malade. On il faut prouver, faut montrer quelque chose. Moi, je suis allé à l'hôpital hier, il y a ordonnance et ça, tout ça. Donc, c'est ici, ensuite, quelqu'un vous dit, on dit, ah, mais pourquoi tu es dit, ah, il y a ordonnance, il est malade. C'est un psychologue. On dit, ah, il est à l'hôpital. Il y a ça, même plus. Donc, on a tout. On anticipe toujours. Donc, les gars, c'est un petit conseil. On a sur Facebook, on ne fait pas tout, n'importe quoi. Voilà. Vous les nouveaux vidéomans qui venez, non, il y a son papo, il y a son papo, cassez-moi des papos, il y a son papo, vous venez, en porte plein contre vous là, vous prenez votre balle, c'est pas du jeu. Vous payez ça amusement, vous voulez faire plaisir à votre public, mais pensez à vous-même. Tu veux faire plaisir à ton public, mais pense à toi-même. Voilà. Exposez vite plus de gens, ils portent plein contre toi, tu es au courant. Tu prends ta dose, mais c'est pas bon. Vous m'avez fait une vidéo, nous on a créé, vous avez fait une vidéo pour dire ouais, il y a ces papos. Non, la dernière qui n'est pas papos, mais déjà, même si on peut jamais sur Facebook. On cherche quoi, mais sur Facebook quoi. Après, vous faites plaisir, puis après, quand ça a commencé, nous on prend nos balles, on dit que nous on était bêtes. On ne peut jamais être bête, je ne veux pas qu'on dise que nous était bête, jamais de la vie. C'est moi qui ai dit aux gens qui sont bêtes. Voilà. Donc, vous qui venez sur Facebook, vous cassez, oh, il y a les papos, il y a 30 ans. Ça, on porte plainte là. Ça vous prend forcé. Voilà. Même si c'est la vérité, mais est-ce que tu avais le droit de publier, l'exposer? Voilà. En tant qu'équipe, l'exposer, tu es enquêteur? Même enquêteur, même là, on met ça, on met sous scellé. Alors, c'est pas tout l'expos sur Facebook. Mais nous, Africains, quoi, tu vois, on dit fou. À cause du scoop, on met tout sur Facebook. On fait tout n'importe quoi sur Facebook. Et après, quand les retombées viennent, on se dérobe maintenant. On vient, on dit non, que non, on est français, on est française. Mais tu es français là, tu fais comme nom politique. Pourquoi tu veux t'ingérer nom politique? Puisque même tu n'avais pas l'air. Au moins tu pourrais donner ton droit, tu pourrais donner ton avis. Voilà, c'est normal.
Voilà. Ton avis. Mais insulter une dame politique de notre pays, en tant que française, tu recherches quoi? C'est même pas Ivarienne même. C'est française. Tu viens insulter une dame qui n'a rien à voir avec ton pays. Tu n'as même pas de même vlog. Toi, tu es française. Peut-être que tu habites à Perpignan, tes parents sont là-bas ou bien, je ne sais pas où tu es. Tu es bretonne, mais je ne sais pas. Tu as venu insulter une femme, une dame de Bonnois. Vous ne vous connaissez même pas même. Et puis, vous venez l'insulter, vous entendez, c'est après. Sauf peut-être que c'est politique. Mais vous passez, vous êtes pris un parti. Voilà, moi, il dit ici. Il dit, moi, dans l'histoire de Babou, là, elle, ces femmes-là, moi, il y a un penchant pour Simon. Mais en aucun cas, j'ai insulté Nadi Bamba. Il insulte pourquoi? Mais si j'insulte Nadi Bamba, c'est comme si j'insulte Babou. La femme de ton papa, lui, il dit, c'est sa petite femme. Il me l'a dit ici, sa petite femme. Il a bien dit ici. Petite femme. Non, il n'aime pas ta tête, il insulte. Mais c'est qu'il insulte Babou. C'est ça. Non, sinon, on ne rentre pas dans ça. Ne dis pas qu'on est pureux. Ouais, parce que nous, on connaît la loi. Et on connaît le droit. Ouais. On ne va pas tomber sur le coup de la loi. Ouais, c'est de ça qu'il est question. On a lui qui dit que non, tiens, pureux, viens, on se bat. Et puis, on va dire, si c'est pureux. Voilà. Viens, rattrape, on se bat. Voilà. M'en fous de que vous ne pas mettre en problème. Spectateur va pas me mettre en problème. 498 ne sont pas dit, ah, comme ils sont là, il me joue les zélés. Et puis, ainsi de suite, Ouattara. Par rapport à quoi? Voilà, allez, ça t'est, on peut dire plein de comptes, elle en prison. C'est que l'employé, ils sont en prison. Ils sont pas en prison. Ils sont là maintenant, ils mettent commentaire. Non, elle est française. Elle, c'est pas normal. On l'appelle, bien son pays. Yeah! Elle est rien française ici. Voilà, elle est ivarienne. Tombe sous le coup de la loi ici. Voilà. Même si elle est française ici, on s'en fout. Voilà. Pourquoi tu te mêles de nos pays? Pourquoi tu te mêles de nos politiques? Pourquoi? Et c'est nous là, même les vrais français ici, les vrais Ivoiriens français ici, là. On dit gilets jaunes, et c'est leur marché. Ils sont français. Mais c'est leur marché, ils n'ont pas marché. Mais ils savent que ouais, ça ne les intéresse pas. Voilà. Et c'est quoi que les entreprises ont deux nationalités. Mais vous, dans gilets jaunes, vous les français, vous n'êtes pas deux nationalités, vous les français sont mal. Vous n'êtes pas dans gilets jaunes. C'est quand on fait un petit match de Côte d'Ivoire, vous voulez venir, vous émissez là. Sauf que dire que non, c'est mon pays, c'est pas ton pays, ma chérie. Voilà. Si tu es né français là, il faut les naturaliser Ivoiriens. C'est ça qui est la question. Voilà. Ça, c'est la logique qui voulait qu'elle soit comme ça. Voilà. C'est la logique qui voulait qu'elle soit comme ça. Donc, arrêtez de vous ingérer dans la politique. Vous pouvez donner votre avis. Voilà. Votre avis, on peut donner votre avis. Mais sans votre avis, on a des limites. Arrêtez d'insulter nos personnalités. Voilà. C'est ton français, il ne faut pas insulter Babou. Voilà. Insulte ton président. C'est ton droit là-bas, payer pour ton argent. Babou, nous voit ton agent, t'es ton français, insulte votre président. Non, on peut insulter Babou ici. On peut dire, ah, Babou, on peut insulter. Parce qu'on dit, ah, mon frère, t'as pris ton agent. Moi, je peux insulter. Parce que c'est Ivoirien. Il a été mon président. Voilà. Mais quand t'es français, non, t'es français. Mais t'es américain. T'es ainsi, Babou. C'est ton président. Hein? Lui, c'est l'américain. On dit là, on dit non, origine. Non, de mon papier, c'est pas écrit origine. On met nationalité française, il met français. Il n'y a pas à faire une origine. On ne connaît pas sa origine, mon cher. Tu es français, tu es français. Tu es américain, tu es américain. Il n'y a pas à faire l'origine dedans. Au moins, on dit ah, Americano-Ivaro. Voilà, là, on peut dire ouais, voilà. Mais, à faire une nationalité, c'est doux, mais c'est pas ça. Voilà. Là, tu es français, là. Tu ne venais pas au même nom politique. Mais c'est nous, les Ivoiriens, on n'a pas le nom politique. Voilà. On n'exclut pas que vous fassiez des commentaires. Mais des commentaires millimétrés. Pour ne pas aussi vexer nos hommes politiques, pour ne pas aussi nous frustrer. Parce que nous, on peut vous rappeler à l'autre, vous dire, mais de quel autre nom vous payez nos politiques? Vous n'êtes pas Ivoirien, vous payez nos politiques. Pourquoi? Vous missez dans nos politiques, pourquoi? Et si c'est même quand on dit là, ah, ils sont français, on passe en français. Et c'est même quand on dit là, ah, que la France s'est mise dans les trucs de l'Afrique. La France s'est mise dans les trucs de l'Afrique. Mais toi-même, tu es français, toi-même, tu fais quoi dedans? Ah, donc, c'est la grande façon là, tu vois, mais toi-même, tu ne vois pas dedans. Tu n'as pas ça français. Quand tu parles dedans de leur pays, hein. Maintenant c'est France, France vient parler. Tu dis ouais, la France s'immisce de la gestion de la Côte d'Ivoire. Mais toi, tu es français, toi, tu es français, tu es le premier à commencer. Toi, tu as dit, ah, la France, laissez les Africains en paix. Laissez les Africains dans la politique. Et puis, on va se constituer sur nous. Mais toi, tu t'immisces dedans. Et que les Français mettent pour eux dedans, toi, tu viens parler. Non, la France, l'armée française. Non. Comment ça va toi-même d'abord? Voilà, si, la gagne.